Bonjour les enfants, je vous propose aujourd'hui de travailler sur la comptine numérique. Et pour cela, nous allons utiliser le tableau qui se trouve juste derrière moi. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous avions commencé à travailler avec ce tableau juste avant que l'école ne ferme. Je vous propose donc de continuer à l'exploiter. Allez, nous allons réciter la comptine numérique de 0 jusqu'à 31. Oui, parce qu'il y a 31 élèves dans la classe. Vous êtes prêts ? Parlez bien audiblement et distinctement pour que je puisse vous entendre. On y va tous ensemble. Attention, c'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Très bien. Je vous propose maintenant de continuer en faisant l'exercice que nous avons l'habitude de faire quand on prononce un chiffre à voix haute et que l'autre, on le dit dans sa tête. D'accord ? Vous êtes prêts ? On reprend. Attention. Je prononce un chiffre à voix haute et l'autre, je le dis dans la tête. Vous êtes prêts ? On va s'aider du tableau. Attention, c'est parti. 0. Faut pas le prononcer celui-là. On recommence. 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Super les enfants, nous allons réciter tous les nombres pairs. Je vous propose un autre exercice et nous allons utiliser tous les chiffres qui vont de 0 jusqu'à 10. Allez, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire en classe. Vous allez me dire quel chiffre se trouve juste avant le 5. Quel chiffre se trouve avant 5? Le 5 est ici. Juste avant, c'est le 4. Juste avant, c'est celui qui se trouve devant. Pouvez-vous me dire quel chiffre se trouve après 5? Oui, c'est le 6. Il se trouve après, il se trouve derrière le 5. Très bien. Allez, à nouveau. Pouvez-vous me dire quel chiffre se trouve après 6. Le 6, après 6, c'est derrière 6. C'est le 7. Pouvez-vous me dire quel chiffre se trouve avant 6? Eh oui, c'est le 5. Il est avant. Il est devant le 6. Encore un? Pouvez-vous me dire quel chiffre se trouve avant 7? Le 7 est ici. Le chiffre avant 7, c'est le 6. Il est devant le 7. Quel chiffre se trouve après 7? Oui, c'est le 8. Il se trouve après, derrière le 7. Allez, un dernier. Dites-moi, quel chiffre se trouve après 3? Le 3 est ici. Le chiffre qui se trouve après, c'est le 4. Il est derrière 3. Et le chiffre avant 3, c'est lequel? C'est le 2. Il est avant 3.
Il est devant le 3. Très bien. Allez, pour terminer, je sais que vous aimez beaucoup quand on fait cet exercice. Qu'est-ce qu'on va faire, les enfants? On va compter à rebours. Pour ceux qui en ont besoin, vous avez la bande numérique juste là. On va commencer à 10 et on va compter à rebours, à l'envers. Vous êtes prêts? Et ainsi, notre fusée va décoller. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Encore une fois? Allez, avec 10, on recommence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Formidable. Allez, on le fait cette fois-ci sans la bande numérique. Ok? Vous êtes prêts? On reprend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Génial les enfants, j'ai hâte de pouvoir le refaire en vrai avec vous. Je vous félicite pour votre attention, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.